Et ouais les gens, allez, on enchaîne avec la seconde partie de cet épisode. Let's go! Donc, on disait qu'on avait un problème de bouffe pour les animaux. C'est encore problématique, parce qu'on va devoir encore tailler dans le cheptel. Pourtant, ici, c'était pas trop mal. Mais ça pousse pas énorme, énorme. Je sais pas quoi faire, honnêtement. Je pense que je vais. Je peux rien faire par rapport à ça pour que ça pousse plus vite. En termes de rendement de récolte. Je pourrais faire du riz, je pourrais peut-être les gaver de riz. Le riz, ça pousse vite. Ça pousse fort. Faire du riz, ça pousse plus vite en attendant l'extension. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder là. Alors. De toute façon, le houblon, j'en ai au taquet. Et pour l'instant, il est inexploité. Pourtant, nous, on aime la bière. Alors, on va passer sur du riz. Alors, pas sur tout. J'ai pas regardé où est-ce que j'en étais au niveau des plantes médicinales. Mais je verrais bien aussi les plantes médicinales, je vous le cache pas. J'ai bien envie de faire plus de fermes hydroponiques après. Trouver un endroit ici, là. Faire une autre pièce beaucoup plus grande. Alors, les plantes médicinales, on n'en a pas énormément. On en a 51. C'est pas ouf. On l'aime, mais visiblement, on la brasse pas. Ah ouais, non, mais c'est sûr, quoi. Ah, salut, caneton. Sieste plus longue que prévu, pas de soucis. Écoutez, on va passer vraiment sur le riz. J'ai pas trop le choix en fait. Alors, stockage, riz, c'est non, pas de riz là-dedans. Ok. Et ici, ça sera oui. Je sais pas si tu peux faire pousser de l'herbe haute ou autre chose dans l'enclos, ça pousse plus vite. J'ai déjà ça. Herbe. J'ai déjà de l'herbe. Herbe haute. J'ai mis de l'herbe. Et l'herbe pousse plus vite. Pousse partout, il y a peu de lumière ou un sol peu fertile. Je vais mettre de l'herbe haute au pire. On a les caisses de munitions qui ont été faites à ce que je vois. Donc on va déployer les munitions qui vont bien. Ok. Le toit du zoo, du verre. Oui.
Oui, il y a du, y a des plafonds de verre. Je crois. C'est tellement le bordel. Ou pas. Ou pas. C'est peut-être ou pas, Kago. C'est une bonne remarque. Ouais, pour le froid aussi. Mes cobayes sont en famine. Non, tes cobayes, normalement, c'est plutôt bien suivi. 7, 6 et 8, 7. Non, ça va. Ça, par contre, c'est toujours pas fait. Ça me dérange. Est-ce que quelqu'un peut s'y pencher? Ils sont gâchés. Grillade simple. Pourtant ils sont frais. C'est chiant ça, hein. C'est vraiment chiant à gérer ces trucs-là. Allez, viens consommer une grillade gastronomique et après dans la foulée tu vas venir amener ça, ça, ça. Ça. Et après, tu vas faire ça. Quand on aime, on ne compte pas, The Juge. Let's go. Quatre degrés, c'est pas assez. Ah, mais après, si jamais t'augmentes, c'est plus. Parce que là, ils sont frais, ils sont pas congelés, hein. Là, tu vois, 4 jours. 4 jours avant que ça pourrisse. 4 jours, normalement, c'est censé dégager, quoi. Les drones boss H24, c'est plutôt sympathique. Mais ça met quand même du temps. Bon, les barbelés sont en train de faire la première victime, c'est parfait. Yuki enceinte! Oh! On rappelle que la dernière fois que Yuki a eu des enfants, c'était des triplettes. C'est ça qui est bon. Alors. Des jeunes femelles, nous allons en mettre que 3. On va commencer à attaquer la restriction. Les chevaux. Ah, beaucoup là des chevaux.
Ouais. Je vais me faire bouffer. On fera des lasagnes. Hey, j'ai des plats qui sont ici. Comment ça se fait que j'ai des plats qui sont là? Alors que les plats sont censés être ici. Merci. Je suis pas sûr, il est pas lié, c'est ça le problème, Galérad. Il est renommé, il est pas lié. Tu regardes Tiken. Notre cher Tiken. Il est juste renommé. Il n'est pas lié à quelqu'un. Donc il peut très bien passer à la moulinette. Ouais, Kago, on va faire ça. Ah, j'ai quoi? J'ai un câble électrique qui se balade là-dedans? Bien sûr que oui. On plaisante, on plaisante. On va mettre la porte ici, là. Porte automatique, on va commencer à faire des portes automatiques. La porte n'est pas dans l'axe, c'est voulu. On en est où là sur tout ce qui est en cours? Composant 16 acier. C'est à The Judge que j'ai demandé ça, je crois. Transporte 100 d'acier. Ok. Bientôt, on va pouvoir faire ta station de recharge. Pour tes mécanoïdes, Makina. Alors, une bande de bandits envoyée par la colonie Bosquet Gris vous appelle depuis les environs. Ils vous proposent de protéger votre colonie contre toute menace. Même s'il pourrait vous provoquer à condition que vous payiez 12 710. C'est non. Vexé, tout ça. On va avoir un petit raid qui va arriver. Est-ce que nous avons les armes en place? Est-ce que nous avons ces armes en place? Pas du tout. On a les matraques. Alors je sais pas où est-ce qu'elles sont, mais je voudrais bien savoir. Je voudrais bien savoir où est-ce qu'elles sont, histoire d'améliorer notre armurerie. Histoire d'améliorer notre armurerie.
Qui veut une matraque? J'en donne une automatiquement à The Judge. Comme c'est un peu lui qui va faire la pluie et le beau temps avec les prisonniers. Mais nous en avons trois. Comme ça, The Judge, ça évitera qu'il passe par un psychopathe avec son couteau là. Hop. Vérifiez les matériaux nécessaires pour les fusils hydroponiques, s'il te plaît. Au cas où ça demande un truc un peu exotique. Alors, oui, ça demande un truc un peu exotique. C'est dit. Neutroamine. Et les neutroamines sont pas dans la zone. Bien vu, Makina. Les neutroamines sont stockées ici. Et je n'en ai pas là ici à portée. Donc je vais en mettre ici à portée. Tout effacer, critique, neutroamine. Et nous allons en mettre 40, ça fait 2. Stockage important, j'espère que ça va pas faire sauter les stocks, normalement non. J'en prends une si la mêlée est bonne. Tu es à 6,73, ce qui est respectable, pour sachant qu'on s'est pas battu depuis le début. Donc ça vaut le coup. Ok Galgarad, dès que ça part en live. Ça elle est où ça? Ah, attends, on va t'en refaire popper une parce qu'elles ont été remises dans les coffres. Ah, même pas. Putain, où est-ce qu'ils vont me les ranger ces cons? Si. Et les remettre là. Personne d'autre à part Quentin? Tu en veux une aussi? Ah, n'utilisera pas d'arme de mêlée. À ce que je vois, la mêlée, t'aimes pas. Il y a aussi deux fusils de tireurs d'élite dispo. Au niveau de l'armurerie, effectivement, nous avons deux fusils de tireurs légendaires de disponibles. Ma mêlée est comment? Ta mêlée est un petit peu moins bonne, mais effectivement, t'as pas d'arme de mêlée. Donc ça peut être sympathique. Et en même temps, je vais te donner un fusil de tireur d'élite, Canton. Alors, pas le légendaire, parce que t'as déjà un fusil à pompe. Mais je vais te donner aussi une matraque. J'aimerais avoir du longue portée avec mon pompe. Alors pareil, je ne donnerai pas le légendaire comme t'as déjà le fusil à pompe. Donc on va attendre qu'un autre soit fait. Pour Quentin, c'est son rôle qui bloque la mêlée. Ah oui, c'est vrai. Effectivement. Bien vu, Galgarad. Personne d'autre le troisième pour la mêlée? Ces caisses-là, elles sont pratiques, hein, 64. Mais alors, j'aime pas du tout comment tu les, comment on les gère, comment c'est fait. C'est pourri. Déjà, je vais virer la qualité médiocre. Histoire que je vois exactement qu'est-ce que j'ai qui me saoule. Et la qualité médiocre, c'est on la vend, on les invite, ou alors on la détruit. Alors là, c'est encore pire. Je ne veux que du bon, du légendaire. Où est-ce que tu vas m'en mettre ça? Là-haut, bien entendu. Alors là ici, je ne veux pas de massue, pas de lance, pas de chaise.
C'est qui le social converti? C'est Gigi qui recrute les prisonniers. C'est celui qui a le plus de chances d'être coincé en cellule avec des révoltés. C'est Gigi. Donc effectivement, on lui donne la matraque. Ça a l'air de la peur, the best. Un Z est rentré. Un Z est mort. Nouveau patient arrivé. Elle va l'utiliser à tout va. On en est où, Zudjud? T'as toujours pas pété un câble? Non? Tu tiens le rythme? Parfait. La cuisine, la cuisine, la cuisine, on en est où là? Sol léger, ça prend feu, ça? Non. Sol plaqué, non plus. Allez, on met du sol léger un peu. On va voir ce que ça va donner. Sol antimicrobien pour la cuisine. Non, pas forcément, parce qu'en fait, en termes de qualité, c'est pas... en termes d'esthétique, c'est pas ouf. C'est ce que je vérifie un petit peu. Là, on est sur une esthétique de 2. Et l'antibactérien... il a une qualité de moins 1. Sol léger, c'est comme... Tu peux pas tout construire dessus? Ah! Si, regarde! Léger, moyen, lourd. Je pense que quand ils disent léger, c'est en termes de visuel, Galgarad. On verra, on testera, mais... mais je pense que c'est surtout au niveau visuel. Voilà, là c'est mieux de lire au niveau du fauteuil de psy là. Notre belle table en émeraude, toujours pas faite. Et eh ben on va la lancer par Renolf, bien vu Kago. Ça a fait boum quelque part là. Je pense que c'est là. J'ai dit que je mettais des portes automatiques. Je suis curieux de savoir qui c'est qui les construit. Je crois que c'est les colons, hein. Ça doit pas être les robots. Ah non, mais ça doit être peut-être lui aussi. Une girafe dehors? Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi. Et je vois vraiment pas pourquoi.
Parce que normalement, même au niveau des angles de mur, il n'y a pas de raison qu'elle se promène dehors, Fofi. Fofi, il n'y a pas de raison qu'elle soit dehors. Dans la grille, on l'engueule, elle revient direct dedans, quoi. Par contre, boys, non restreint. Ah oui, je t'ai dit que tu t'étais acheté du courage. Ah merde. Non bah dans ces cas-là, qui t'a fait le mur quoi. Monture. Je sais pas si elles peuvent être montées les girafes. Bête de somme. Normalement non. Non non les girafes c'est fun pour la viande quoi. Tu connais Léa la girafe? Non. Sophie la girafe oui. Je pense que quelques générations de gosses l'ont eu. Mais Léa non. Ok Galgarad, spotted. D'accord. Là le stock de ciment il se décanille au fur et à mesure. Il part bien quoi. Et je les ai vus ramener beaucoup de conneries, mais pas pas les mécas. Les mécas que je voulais ramasser en priorité, ils me les ramènent pas. Hein. Pourtant, on a une tripotée de chiens-chiens là. Alors, sombrero et armure en bois. Ok. Oui. Ici, là. À l'emplacement où est-ce qu'il y a Malo. Oui. Oui, Kago. Justement, j'ai fait exprès, juste après l'attaque mecha, j'ai mis toute cette zone-là. Bon, j'ai autorisé plein de conneries. Hein. C'est pour ça qu'ils ramassent toujours les vêtements en priorité. Yes, Kargan qui a pris le relais par rapport à The Judge. Parfait. Dès qu'on a ça, on peut démolir le truc qui est au nord de la cuisine. Et ça, c'est cool. Parce qu'on va pouvoir continuer le mur nord. On va pouvoir continuer l'enceinte ici. Et on va enfin pouvoir faire ce passage-là. Bien entendu, il faut qu'en priorité, on fasse ici. Kago, tu m'as dit que tu voulais te consacrer... Boys... Non, Kago, tu m'as dit que tu voulais te consacrer peut-être à la cuisine pour filer un coup de main. Ça serait cool. Tu fais des recherches aussi. Kargan. Termine la construction du grand groupe électrogène. Et bah juste après, viens faire ça, s'il te plaît. Transport résidus. Non, tu vas venir... transporter ça là. On a les mecs de base, c'est vrai. Alors donc chargeur, c'est parti. Alors on prend un chargeur. On
on prend un gestator. Ah attends, non, je refais. Chargeur, chargeur, chargeur. Gestator. Chargeur. Ok. Déjà de base, si on fait ça, ça sera déjà bien. Les portes en plastacier s'ouvrent plus vite que celles en pierre béton. Ça vaudrait peut-être le coup de voir si c'est pas un gain de temps pour les portes à l'intérieur pour gagner du temps. Alors oui, Abraham, tu as 100% raison. Sauf que ma production de plastacier est quand même très limitée. Parce que j'ai un problème d'électricité, si jamais j'enclenche tout. Pour l'instant, j'ai qu'un seul module qui tourne sur les trois. Donc, faudra que j'y pense, mais pas maintenant. Là, j'ai un petit coup de ralentissement, je pense, parce que nous allons avoir une attaque. Ou alors un plantage. Non, c'est l'attaque. Oh 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 oh. Raid, colonie. Où il y a du monde. Alors, nous avons une parente de Jekyll, Gigi, Jimmy, Bado, Makina, Galgaran, Malo. Nous avons quelqu'un qui connaît Shenzi, Katniss, Manola. Il y a du monde. Alors, ils se préparent un certain temps avant d'attaquer. Préparez vos défenses. Porte en acier, ça va aussi plus vite que le béton qui est gigalant. Ouais, mais avec les portes automatiques, on va voir, on va voir. J'en ai déjà fait deux. On verra bien. Ok, on peut récupérer. Non, parce qu'on n'a pas les fusils. Les fusils hydroponiques n'ont pas été faits. Donc là, ça va être à l'ancienne. 83 pions. 83 pions, pas mal de Z. Ils n'auront pas beaucoup de résistance au nord. Donc en gros, ils vont taper. Donc on va les accueillir comme il se doit. En préventif. Pas d'explosif, c'est déjà ça. Alors, on a un lance-flamme. Mais effectivement, on n'a pas de lance-missile, tout ça. Ça tombe bien parce qu'au nord, je vous dis, on est. C'est top priorité. Enfin, top défense. Sud, c'est ok. Est, c'est pas mal. Nord, c'est bof. Ouest, c'est catastrophique. Mortar! Si, seigneur. J'ai passé 15 en médecine. Pas encore, Galgarad. Tu as 14,48. Alors, je rappelle aussi que les tubes renforcés, j'en ai qu'un seul en spare. C'est où le tube déjà? Je l'avais vu à au stream précédent, à l'épisode précédent. Canon renforcé, c'est où déjà? Ah! À gauche. Là, ici. Non. Au sud de la salle de banquet. Oui, là, ici. Canon renforcé, 5. 30 aciers, 15 aciers inoxydables. Pourquoi ça n'a pas été fait, ça? Alors, forge. Makina, en train de fabriquer tireur fusil. Non, je veux que tu viennes ici en priorité, s'il te plaît. Alors... toi le gringo. Ensuite, j'espère que ça va tomber. Hein. J'espère que ça va tomber parce que là il va y avoir de l'impact.
Là, ça va friter. Encore des Mexicains. Là, ça va friter. Allez, faut que ça tape là. Faut que ça tape parce qu'on va se battre. C'était quoi son roi, les Yuki, déjà? Ok, un en moins. 83, ça fait encore beaucoup. Ah non, il y a eu deux morts, pardon. La cuisine, le tank. Je crois que c'était cuisine. C'est pour ça qu'on lui avait acheté la... Qu'on lui avait fait sa chambre juste à côté. Mais le rôle de cuisine n'a pas été récupéré par Gigi. Je m'en rappelle plus. Oh, ça c'est beau ça! Et ça aussi c'est très beau ça. Tellement beau que lui il a perdu sa cible. Double strike, ça ça fait plaisir. Joli! T'as perdu ta cible toi aussi? Non, ma cible est toujours là. On notera qu'ils sont pas du tout emmerdés par les Z. Pas mal. Ok. Ok. Allez, ça lance une attaque préventive. Bah écoutez, on va ouvrir les portes. On n'a pas trop le choix. Allez, Reynolf ici. Boys ici. Yuki, viens là. Iggy ici. Quentin ici. T'as toujours pas de flingue, toi, Jekyll? Voilà, réglé.
T'as une meilleure portée avec ton fusil de snipe. On peut vérifier. Mais de base, t'es à 37 en portée. Avec ton lance-charge, tu es à 30. Donc si jamais ils arrivent trop près, je te mettrai ton lance-charge. Mais par défaut, je te laisse ton fusil de snipe, Quentin. Tu vérifieras que Boys est bien dans la tourelle. J'ai cru voir un message. Boys, mais je crois que c'est parce que je l'ai retiré d'un truc qu'il faisait. Boys. Il est dedans. Ok, ils sont ralentis par les Z pour l'instant. Je sais pas s'ils partent du principe qu'ils veulent flinguer les Z ou si en fait ils contournent pour arriver sur moi. Je prends pas le risque. Parce que si par défaut ils font un bon virage, comme ils sont en train de faire, je pense. Los gringos de Mexicano. Si. Ah, j'ai vu Galgarad et Jekyll avec un petit symbole, je fais la gueule. Je crois que quelqu'un de leur famille est mort. Un proche, Panda et Sophia, mort. Sophia. Sophia est là. Désolé. Allez, ça va commencer à se densifier là. Choisissez le trait que Akoragon va obtenir. Quand un membre de la famille de Akoragon est mort, il a acquis le trait. Oh, joli! Pas mal ça. Sanguinaire, tendance toxicomane, très névrosé ou pessimiste. Oh, je pense que sanguinaire peut correspondre à peu près à l'état d'esprit, hein. Ou alors très névrosé. L'avantage, c'est qu'il travaille 40% plus vite. Mais il peut péter des câbles plus facilement aussi. Ça semble plus logique le sanguinaire, quand même. Faut être réaliste. On devait pas être Peace and Love. Alors si, Bado, on est Peace and Love. Mais on s'adapte au monde quand même. Le monde est dur avec nous. Hein. Donc on est obligé de se mettre à niveau. Hein. Très névrosé avec le gène calme plat. Ah, c'est pas bête ça. La modération, un petit vote rapide là, en moins d'une minute s'il vous plaît. Savoir si on prend sanguinaire ou très névrosé. Parce que c'est pas bête du tout la proposition de Galgarad. Un petit truc rapide là, savoir ce qu'on prend. Parce que l'avantage de sanguinaire, donc, rend plus heureux que de faire du mal aux gens, peu importe la vue du sang ou des cadavres. Mais par contre, il est deux fois plus susceptible de mener des bagarres, ce qui est plutôt pas trop bien. Donc, effectivement, la proposition de Galgarad est alléchante, mais sanguinaire, on s'adapte un petit peu à ce que le monde nous fait subir. Hein. Allez, le vote est en cours, les gens. Moins d'une minute. Moins d'une minute. Si le monde te persécute, tu dois persécuter le monde. Alors, j'ai pas regardé, honnêtement. Je vois le temps qui décide, mais j'ai pas cliqué sur les pourcentages au niveau sondage. Je vais avoir la réponse, la petite surprise. Plus de recherche, on va regarder ça après, Kago.
très névrosé, effectivement, à 88%. Ah, large. Ok. Alors, Yuki, tu vas prendre l'impact. On a qui là en pompe aussi? Oh, ça rebrousse chemin! Ça rebrousse chemin, regardez-moi ça là! Adios bandidos! J'ai même pas tué la moitié ici. Ou alors ils ont perdu trop de monde d'un coup, je pense. Ah, j'ai même pas tué la moitié. Ils étaient 83. Par contre, il y a un coup à jouer là. Il y a un coup à jouer. On a récupéré de la famille. Je sais pas si on a récupéré de la famille, mais en tout cas, il y en a qui pissent le sang. Hein. Oh, oh! Et ici, on a quelqu'un d'intéressant. Tir formidable. Là, on a du monde intéressant. Alors, qui c'est qu'on a d'autre? 2 heures, ça va être tendu. C'est de l'humain. 3 heures, ça va être tendu, c'est de l'humain. 4 heures. Agriculture à 2. Jekyll. On va tenter. Ciao, ciao, the best. Je te souhaite une bonne nuit et à dimanche. Galgarad. Donc toi, t'es parti. Jekyll, t'es parti. Pardon. Qui c'est qu'on a d'autre là? Machina fabrique le canon renforcé. T'es loin. Yuki. Iggy. Ah, on a lu aussi. 6 heures. 2 heures humains, c'est compliqué. Mais lui, par contre, c'est jouable. GG. Oh. Se repose. Ah, mais il est pas mort. Ok, vous pouvez sortir des tourelles. Je ferme les portes. Tu peux activer mon sac à dos tourelle. Ah oui.
Effectivement. Bien vu. Deux heures. On a quelqu'un qui s'occupait de lui là? Oh, cuisine à trois. Deux heures. On va le tenter. On va le tenter, on va le tenter. Ça va être chaud, mais on va le tenter. Je pense qu'à mon avis, ils vont pas tous s'en sortir. Ah, peut-être même faire le mix. Galgrad va passer au-dessus, je pense. Et Kerghan va venir récupérer celui-là. Ok. Alors. Stabiliser et Kerghan capturé. Ah, je crois qu'il y en a un qui est mort. Non. Jekyll. Iggy. Ah, lui, il est inébranlable. Lui il est inébranlable, donc au pire c'est pas grave s'il crève. C'est qui s'occupe de lui? Putain, lui il est intéressant lui. Artère bouchée. Ah là là. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Heures. J'ai qui dehors là qui est en train de chercher? Iggy. Aïe 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 aïe, c'est qui le plus intéressant entre les deux là? Cuisine à 13. Quatre heures. Alors, stabiliser. Jekyll. Stabiliser. Allez Iggy, sauve-le. Oui, mais ils serviront dans d'autres domaines. 3 secondes. Ou Galgarad, 2 secondes. Dommage. Attends, on a de la viande fraîche qui vient de lâcher là au nord. Mort. 3 heures. Impendance tantox toxicomane. Oups, ça par contre, c'est pas glob ça. Animaux à 4. Inébranlable, c'est tombé. C'est allumé en plus. Là, il y en a d'autres qui viennent de tomber là. Et oui, c'est pas facile de marcher avec une jambe en moins et tout ça. Agriculture. Immunité psychique. C'est mignon ça. J'ai personne qui s'occupe de lui là. Galgarad. Ah bah c'est celui que je voulais à la base. Stabiliser. Animaux à 8. Oh pas mal. Kago, nourrit le patient. Akoragon. Akoragon, viens là s'il te plaît. Là on a dit non. Là on a dit... On n'a pas dit grand chose là. Le problème c'est que là je vais manquer. Non, il est mort lui. 0,5. 1 heure, je pense qu'il est mort aussi.
Ouais. Ici, on a quoi? Une heure, il est mort. Ah, si proche, mais pourtant si loin. Dommage, mais il est mort. 2 heures, il est mort. Lui, il est mort. Médecine à 12, c'est dommage. Non, Jekyll, c'est pas le moment de péter un câble là. Exposition au gaz, sérieux? Encore? Tu les cumules? Capture-le. Aucun lit prisonnier disponible? C'est une blague. Attends, 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 on va faire une surcharge. J'ai fait des prisons plus plus quoi. C'est justement pour ce genre de cas de figure. Il y a de la place pour tout le monde. Aucun lit disponible. Mais c'est du. C'est une foutage de gueule. Capture impossible, aucun lit disponible. Zone forge. Merci. Merci, 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 merci. Alors là, on a dit que. Où est-ce qu'on en était? Ah, animaux à 8, quoi. Lui, il est bon, hein. Je faisais monter Akko justement pour capturer les deux. Lui, il est mort. Lui, on s'en fout. Mais ouais, là, les deux, il me les faut là. 3 heures. Ah, inébranlable. Il est inébranlable, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ouais, malheureusement. Nouvelle recrue! Oh, eh, comme quoi. Comme quoi, dans les prisons, tout se passe bien. Evan, welcome. En P1 bis. Et à l'avant-poste. Akko. Bah, Akko, on peut rien faire. Hein. Lui, il meurt dans 6 secondes. J'en ai pas un dernier. 2 heures. Il est inébranlable, on s'en fout. Ah, dommage. 2 heures, c'est chaud. Dommage. Non, on aura fait le maxi. On aura fait le maxi. Bon, on a une bonne petite fournée de prisonniers là. On a une bonne petite fournée de prisonniers. Ça marche, Jekyll, pas de soucis. Il aurait fallu mettre Evan dans l'extracteur normal. Pour son gène. On aura le temps d'en reparler, hein.
Bon, ils sont juste stabilisés, hein. Ils sont pas encore tirés d'affaire. Pas d'armes sur eux. Normalement, non. Alors, attends, je supprime les lits en trop là. Parce que j'avais pas besoin d'autant de lits, si bien ce qui me semblait quand même. Il y en a des assez bons pour être des colons. Je pense que. Alors, lui, non. Lui non plus, cannibale. Psychopathe, lutte anti-incendie, bof bof. Faut voir avec les trois autres qui arrivent. Maladie grave, il a quoi lui? Perte de sang extrême. Quelqu'un peut venir s'en occuper là? Ouais, trois flammes en cuisine, c'est pas mal ça. Ça, c'est quand même des prisons de luxe, hein. On a connu des prisons un peu plus pourries quand même. Galgarad. Nourris-le. Alors lui, lui est pas mal. Alors il a pas forcément un bon en tir, mais par contre il a un potentiel en agriculture, il est bon en sociabilité et en intellectuel. Donc lui peut être intéressant. Les prisons sont plus luxe que nos chambres. Ah mais on est des mecs gentils. Bon, c'est l'abnégation quoi. Tout le monde a déposé son prisonnier là? Ouais. J'avais qui? J'avais Galgarad, Iggy. Ouais, non, c'est bon. Ok. Ouais. Qui est volontaire pour faire joli en plus? Y a pas le hussard? Si, le hussard il est là. Le man. Hussard, et on a quoi là-dedans? va falloir réfléchir à ça, Kago. Celui-là, toute une tripotée de gènes qu'on n'a pas. Et d'ailleurs, on n'a pas de chéquier.
Ah ouais, regardez-moi cette liste de fous, quoi. Ah mais c'est énorme. Alors lui, on vient de récupérer. Alors par contre, il y a des trucs qui sont pas bons du tout, quoi. On peut remixer les gènes. C'est avec ça qu'on remixe les gènes? C'est avec cette machine-là, là? Machine chirurgicale automatisée permettant d'extraire les gènes d'une personne et de créer un pack de gènes. La machine extrait lentement les gènes de la personne qui s'y trouve en prélevant les gènes qui ne sont pas déjà conservés à proximité. Cette version permet d'extraire des gènes ARKit. Ok. C'est trois trucs différents qu'on a là. Maintenant, on le garde pour une cuve. Là, c'est mécano pour colon. Ouais, parce qu'il va falloir qu'on équipe nos avant-postes de toute façon. Qui est volontaire pour faire geôlier là en plus là? On va checker ça. The Judge, je veux que tu passes à 1 en geôlier. C'est déjà le cas. Il faudrait une autre personne en geôlier. Tu me diras, je peux mettre les mecs qui sont en attente. Hein. En attente de transfert. Hein. Pas con, hein. Jekyll, tu l'es déjà aussi. Reynolf aussi. Ouais, ça va aller. Je viens d'en mettre 3 en plus là. Akoragon aussi. Je pense que ça va le faire. Non, 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 mais tu es déjà en plus, Jekyll. Donc ça va le faire. Je crois qu'il faut un item pour les séparer, mais ça vient d'AlphaGen de mémoire. Ou Altered Carbone, j'ai pas testé ça. Ok, on regardera ça. On regardera ça. On part sur quoi en recherche? En recherche, on va partir sur un réacteur nucléaire. Je sais plus combien ça fait en énergie ça. Il est en place ou pas? Oh, c'est dommage ça. 119 ticks sans déconner quoi. Viens le finir avant de te reposer s'il te plaît, Renolf. Bah c'est pas mal ça. 6 petits prisonniers en plus. Ok, on est bien en termes d'énergie là. On peut démonter ça. On peut enfin démonter ça. Ouais, on va le démonter. Alors, la porte automatique en béton, elle s'ouvre à combien? Vitesse d'ouverture des portes 25%. Vitesse d'ouverture des portes 100%. 120%. Ah non, c'est déjà énorme, 20%. Elle s'ouvre méga vite. Par contre, est-ce qu'elle prend feu? Non. Eh, c'est pas mal ça. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Non? Récupérer le loot. Ouais, le loot, le loot, le loot. Ouais. On n'est plus à ça près maintenant. Le loot, on le voit. Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer tous les mécanoïdes ici, là, pour les démonter, là. Ça, oui, ça m'intéresse, ça. 25%, c'est lent. Le plus rapide, c'est le bois à 120%. Attends, t'es en train de me dire que les portes en béton classiques sont plus rapides? Ça, c'est une porte en métal, pardon. Où est-ce que j'ai une porte en béton là? Porte en béton. Ah putain, c'est les mêmes! Ah. Ah, mercredi. Donc en gros,
En gros, il faudrait que je fasse des portes métal, mais les portes métal, ce qui me gêne, c'est que c'est inflammable. Il n'y a peut-être pas d'élec pour la porte auto. Bah, normalement. Ah! Peut-être pas, t'as raison. Parce que ça me semble bizarre quand même qu'elle ait la même vitesse qu'une porte béton classique. Ah, je pensais que c'était. C'est vrai que je m'en sers pas tout le temps les portes auto, hein. C'est quand même très pratique. Mais je me disais, tiens, peut-être que c'est plus rapide quand c'est en dessous, quoi. On peut changer le panneau solaire. Oui, on peut changer le panneau solaire. En termes d'énergie. On va démolir celui-là. On va le remplacer. C'est nul. Plaste acier. Ah putain, ça va coûter une blinde. Parce que plaste acier, c'est inflammable ou pas? Oh putain, d'ailleurs, on n'a pas fait la table ici. Makina, si tu veux recharger ton petit robot, va falloir mettre la main à la pâte. Où es-tu? En dehors de la zone forge. Ah. Alors je vais autoriser cette zone pour la forge. Plastacier, c'est la même vitesse que l'acier. Ouais, mais est-ce que c'est tout aussi inflammable? Parce que je me méfie de ça. Honnêtement, je préfère une porte lente, non inflammable, qu'une porte rapide inflammable. Béton, hein. C'est sûr et certain. Ah putain, j'ai des tuyaux en bois là-dedans. Non, il n'est pas inflammable le plastacier. Ah, là ça m'intéresse. Aliment pour poisson. Faire un mix pour les sas, des portes rapides pour se planquer des zombies et des coups faux puantes. Ouais. Le jeu qui troll en te posant à côté de la flotte. Ouais, c'est clair. Oui, bon, on peut faire des bassins pour les poissons. Ça vient de Rim Factory. Bassin pisciculture. Eau salée, eau douce. J'en ai pas encore fait, mais j'ai ça en tête.
Le raid se relève. Oh, il peut, hein. Il peut. Il retombera de sa belle mort. Ça marche, Bado. Bon appétit à toi. Ciao, ciao, bonne nuit. Ok, c'est bien. Ça se relaye bien au niveau des geôliers. Donc c'est plutôt cool. Ça, assembleur, c'est le poste de drone pour construire. Je pense, oui. Je sais pas où, mais boum. Je sais pas de quoi se nourrissent les animaux. Ah, mais si, j'ai encore un petit peu de trucs ici là-dedans. Résidus de plantes. Ok, il me reste encore un petit peu de ressources. Il me reste encore un petit peu de ressources. Maladie grave. Bien nourri. Mais bien sûr, vous êtes bien nourris, les gens. On est toujours en alerte. Pardon, on retire l'alerte. Alors, quand il n'y a plus d'alerte, je veux m'assurer que tout le monde est bien en P1 bis. Parce qu'on est bien... enfin, minimum en P1 bis. Après, là, je sais qu'il y en a qui peuvent sortir. Le The Wall n'a plus lieu d'être. Malo, Bado... en forge. Pas de loisirs pour nos futurs mecs de l'avant-poste. Malo, tu voulais être en forge. Ceux qui peuvent sortir, Quentin, Canton, Kago, les trois, vous pouvez sortir là pour aller ramasser des trucs et tout ça. Les enfants, ils restent à l'intérieur. Bado, tu voulais être en forge. Loisirs pour les enfants. Ah oui, ils ont pas de loisirs, les gosses. Ah, ils ont peut-être que les loisirs en... en alerte. Ça doit être ça. Malo, on a dit que c'était un adulte. Pop, 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 pop. Ils sont où les loupés, là? Histoire qu'on soit bien, là. Makina, une heure de trop, là. Kago. 2x2. Ok. Ok, on est pas mal là. Malo et moi, on en a trop. Galgarad, ah oui. Ok, on est bien.
Bien sûr qu'ils peuvent rentrer. Ah, ça y est, ça commence à ramener les mécanoïdes. Enfin, quoi. Enfin, c'est ça que j'attendais là. Voir si ça c'était bien fourni là. Ok, on est bien. Ça passe là. Oh oh oh! La petite erreur qui va bien. Pas de matraque électrique sur ces cases là, s'il vous plaît. Le Mexicano. Ok. C'est Malo en train de s'amuser à faire de la forge pour les armes hydroponiques. Hypodermique, pardon, effectivement, pardon. Effectivement. Bon, je peux pas penser à tout, là. Ouais, je vais le finir après, je vais le finir après. Là, là il est chaud, là. On est passé de 12 000 à 13 500. Ouais. Beaucoup de lait. La cuisine n'aura pas été finie ce soir. Je m'y pencherai au prochain épisode. Ça aussi, il faudra que je le détruise. C'est possible que ce soit avec les poissons. Les poissons, pareil, ça fonctionne bien, ça. On a plus de gâchis là-dessus, ça c'est cool. Z is back. Ouais, j'ai vu. Oula. Munitions explosives? Non. Je veux des munitions industrielles, moi. On tire principalement avec ça. C'est le but de ces caisses de munitions, c'est de pouvoir se refuel vite fait, quoi. J'ai pas regardé, je regarderai après. Bon, la troupe de Makina, pour l'instant, elle se limite à 1.
Un défaut dans un conduit électrique a provoqué un court-circuit. 17 800 watts d'énergie contenue dans les batteries ont été déchargés dans une explosion électrique. C'est Evan qui a essayé de mettre les deux dents dans la prise. Il faut savoir que un sol en bois, ça brûle très bien. Et vous savez quoi les gens? On va s'arrêter là-dessus, sur ce petit accident électrique. On réglera cet incendie qui devrait bien se passer, je l'espère. Hein. Il y a des portes en bois, il y a plein de trucs, mais normalement ça devrait aller. On règle ça donc au prochain épisode. Merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité les gens. Je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain. Passez une bonne petite semaine et un bon week-end. Des bisous. Bye bye les gens.